J'ai profité de cette belle journée pour poser le soleil sur toute la longueur en rajoutant ici un joint polyuréthane. On voit avec les dernières pluies, là, les pluies sahariennes, que eh bien, il n'y a pas de souci, ça va pas passer dessous. Bon, ici, j'ai mis un petit bourrelet pour éviter que l'eau suive le canal et rentre dessous. Ici, il va être obligé de passer de ce côté. J'ai fait la même chose ici. Ça fait pas très esthétique, mais j'ai peur que l'eau finisse par ruisseler dans le canal qui est au-dessus du solin et vienne rentrer dessous. Donc là, elle est obligée de tomber. Bon, pour le reste, j'ai cassé une ardoise en montant dessus, bien sûr, ici, là. Donc je viens de la remplacer. Je vais vérifier que je n'ai pas cassé d'autres. Là, il me semble que j'en vois une qui est cassée. Donc, je vais la remplacer. Bon, j'ai bien fait de la remplacer, parce qu'en fait, elle était vraiment cassée. Elle était vraiment cassée, si j'appuie... Ici, là, on voit qu'elle est cassée. Si je force un peu, hop, voilà, elle est cassée. Donc, elle tenait que pour cette partie-là, elle était déjà fendue ici. La preuve, c'est qu'il y a de la terre qui est rentrée entre. Donc, je sais pas depuis quand elle est cassée, mais c'est peut-être moi qui l'ai cassée en montant ici, là. Parce que je monte avec les genoux dessus, là, et il faudrait avoir quelque chose pour répartir la charge. Et je n'ai pas. Là, il y a des reprises à faire, très légères, mais il y a quand même des reprises à faire. Pour avoir vraiment une bonne couverture, il faut que je tire un petit peu. Là. Mais pour le reste, c'est parfait. Et je vais avoir un chantier ici, là, sur ces lucarnes, sur ces chiens assis plutôt. Il faut que je remplace les volets qui sont cassés. Donc ça, ce sera dans un prochain épisode. Je vous montrerai comment je remplace ces volets par des volets roulants autonomes en panneaux solaires. Donc rendez-vous sur cette chaîne. Demain, ils ont prévu des trombes d'eau, donc ça va être un bon test pour savoir si ça fuit ou si ça fuit pas.
Voilà, c'est terminé ici sur cette partie. Donc ça peut être mieux, c'est sûr. Voilà, ça va être plus joli quand ce sera débarrassé de cette terre. Mais ça peut être mieux. Par contre, l'avantage que je vais avoir maintenant, c'est que ben, je ne vais pas avoir à peindre. Je ne vais pas avoir à peindre. Et ça, c'est un avantage formidable. Et avec ce soleil, eh bien, je crois que j'en ai pour un petit moment avant de remonter sur cette voiture. Bon, il m'a fallu retrouver des gestes parce qu'au départ j'ai coupé dans le sens de la longueur. Je ne me suis pas rappelé que en fait il fallait les prendre dans ce sens là. Donc j'ai un taux de recouvrement qui est plus épais de ce côté. Et ça déborde presque de l'autre ardoise. Il aurait presque fallu que je refasse ici cette bordure de toiture, mais bon, là c'est vraiment, c'est déjà mieux que ce que c'était avec de la peinture. Tous ces petits morceaux d'ardoise vont descendre au fur et à mesure dans la gouttière avec la pluie, donc là c'est pas grave puisque la gouttière de toute façon elle va dans le jardin. Si ça avait été dans un puisard, il aurait peut-être fallu que je le nettoie. Bon, là je vais le laisser comme ça. Avec les pluies orageuses, ça va vite descendre. Bon, et puis il est temps parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la pluie s'annonce. Je vais profiter tant que je suis là d'aller remettre cette ardoise ici là, parce que sur ce faîtage en fait il n'y a pas de tôle dessous, c'est vraiment l'ardoise ici contre l'autre ardoise qui empêche l'eau de rentrer. Donc à certains endroits je vois que l'eau elle doit rentrer là, et ça c'est pas moi qui l'ai fait hein, c'est un couvreur. Mais c'est pas terrible là, cet endroit. J'avais pas remarqué, mais à cet endroit ici, eh bien, voilà. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai un ancien nid. J'ai un ancien nid. Bon, l'idéal, c'est que ce soit comme ça, peut-être. Parce que là, c'est bizarre quand même. Puis là, j'ai un nid de souris. Un nid de guêpe abandonné, mais un nid de guêpe quand même. Bon, idéalement ça devrait être comme ça, parce que sinon ce qui se passe, et eh bien voilà, ce qui se passe c'est que dessous c'est pourri. Je voulais un chantier, eh bien, là j'en ai trouvé, c'est mal fait, et du coup ici, bon, elle tient avec un clou, on le voit dessous là, il y a un clou, mais il faudrait que je défasse tout le faîtage. C'est pas cool cette affaire. C'est pas cool. C'est plutôt mal fait même. On va dire. C'est vraiment mal fait. Bon, et bien là je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que je vais sûrement avoir le même problème là-haut. C'est la même constitution sur toutes les arêtes. Donc ça veut dire que par exemple ici, eh bien, j'ai de l'eau qui rentre. C'est pas génial du tout. Normalement les ardoises devraient se croiser comme ça. Une par-dessus l'autre. Je vous montrerai comment j'ai fait sur le cabanon. C'est une très mauvaise nouvelle. Bon allez, c'est la dernière fois que je monte sur ce côté de la toiture. Je pense que là c'est fini. Il me manque juste à faire ici cette partie, mais je vais la faire d'en bas, ce sera plus simple. Allez, je débarrasse le chantier. Voilà, c'est terminé, j'ai fini la planche de rive, donc il manque là-haut, mais là-haut je peux pas y aller comme ça,
Et puis surtout, maintenant que j'ai trouvé le problème ici sur ces arêtes là, ce problème de conception, et que je vois que ça commence à prendre l'eau, eh bien je me retrouve avec un problème. Bon, pour autant, voilà, la façade pour moi est terminée. La façade sud, elle est terminée. Là, j'ai recouvert les vis avec de la colle polyuréthane noire, de manière à ne pas ce que l'on voit trop les vis. Quand j'ai construit le hangar, j'ai fait ici cette planche de rive là, et je viens de faire l'autre. Je suis passé très vite sur la pose du parement en bois brûlé sur la façade sud de cet atelier. Je suis passé vite tout simplement parce que je l'ai montré déjà plusieurs fois. Je vous renvoie vers des épisodes que je mets ici sur la réalisation du parement en bois brûlé. La seule différence que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est un brûleur. Je me suis acheté un brûleur avec deux gaz, un brûleur qui marche sur une grosse bouteille de propane, ou qui peut marcher aussi sur des petites, peu importe, mais c'est un brûleur qui permet de gagner beaucoup de temps. J'ai montré plusieurs techniques dans les précédents épisodes. Là, c'est vraiment la technique la plus simple et la plus rapide pour brûler. Et je n'ai pas passé le karcher comme je l'avais passé dans les premiers épisodes. Je n'ai pas non plus brossé, je l'ai laissé tel quel. Parce que, à l'usage, je me suis aperçu qu'en fait, la pluie faisait son ouvrage et qu'elle rinçait le bois. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le bois brûlé, n'hésitez pas, c'est sous la description de la vidéo, j'y répondrai volontiers. Pour la fin de cet épisode, eh bien, ça se termine pas comme je l'aurais voulu. Je suis vraiment très déçu de ce que j'ai découvert sur la toiture de la maison cette fois-ci. Une toiture, je le rappelle, réalisée par un professionnel, et pour un sacré budget, parce que sur une toiture en ardoise, c'est à peu près le quart du budget d'une maison. Donc on parle de beaucoup d'argent. Et quand je vois comment ça a été fait, eh bien, je suis un peu circonspect, pour pas dire un petit peu en colère, parce que les ardoises, ça dure au moins 30 ans. Une ardoise, c'est garanti 30 ans. Donc, les ardoises, ça dure 50, 60, 70 ans. Ça dépend de l'exposition, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça dure beaucoup de temps. Et là, comme elles sont mal posées, eh bien, c'est la charpente qui va s'abîmer avant les ardoises. C'est pas tout à fait comme ça que c'est prévu. Il y a pas mal de pros, des vrais, des anciens, des faux professionnels qui, depuis 3 ans, me critiquent quand je fais mes vidéos, puisque je fais des vidéos de bricolage. Là, aujourd'hui, force est de constater que même les professionnels font des bêtises. Et ça me met vraiment en colère, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Ou alors, il va falloir que je surmonte ma petite appréhension du vide et que je m'équipe en matériel de sécurité, parce que travailler à 8 mètres de haut, c'est dangereux et il faut de l'équipement de sécurité. Là, on n'est vraiment plus dans du bricolage. Et puis, je vous avoue que là, avec ce que je viens de découvrir, je ne sais pas trop si je vais faire confiance à un professionnel pour remonter sur le toit. Parce que ça va être un budget aussi important. Payer quelqu'un pour faire du boulot comme ça a été fait là, j'ai pas envie de le repayer dans 10 ou 15 ans. Donc si je fais intervenir un professionnel, je vais le choisir. Ou tout du moins, je vais lui poser des questions avant qu'il monte sur le toit, de savoir comment il va s'y prendre. Parce que là, franchement, c'est mal fait. Même moi qui suis un bricoleur, sur la toiture de ce hangar ou sur la toiture du cabanon que j'ai réalisé, j'ai fait des choses qui sont plus durables. Cette toiture a une vingtaine d'années. Elle va pouvoir attendre encore un petit peu que je la répare. Pour autant, il va falloir la réparer, que ce soit moi ou un professionnel. En attendant, je vais finir les chantiers dont je vous ai déjà parlé. Notamment, j'en ai un gros qui arrive puisque j'ai acheté du matériel et il va falloir que je l'utilise, ce matériel. Et ensuite, je vais poser des volets roulants, je vais poser des stores. Ce sont des chantiers que j'ai déjà prévus et qui ne vont pas se faire avant que je reprenne cette toiture de maison. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode donc de bricolage. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter, pensez à liker et pensez à vous abonner si c'est la première fois que vous venez, pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.